Un sacré 6%. Bon, ça va pas se... Je sais pas s'il y a des persos, à part les Caflip, Terre de Pou, qui peuvent one turn. Mais quand je dis one turn, c'est one turn. T2, un mec. Les Caflip, Terre de Pou, il peut peut-être faire un 2500, 2006, si vraiment il est en pleine capacité. Et KO, faudrait tester. Bon, on a le Thor, mais on n'a pas grand-chose d'autre, malheureusement. À voir. Bon. 2000 de vie, mais c'est un sacri, donc on fera jamais le T2. C'est dommage. Quatre points de vie, hein. On lui aura quand même fait un beau tour. Mais du coup, vous en pensez quoi de ce Yop pour le moment? Comparez le Yop peut-être au perso 110 classique, le Sramfeu, le Crafeu, les Cater de Pou, comme je vous le disais. C'est un bon perso. Nouvelle map, c'est la map de l'œuf, oui. Très petite map. Les Sacris l'adorent. Le Sramfeu, il l'arrache, mais le Sramfeu, il arrache tout. Pourquoi j'ai subi 160 dégâts, le chat? Pourquoi quand j'ai fait ma tempête sur la Kawotte, j'ai subi 160 dégâts? Qu'est-ce qui s'est passé? Ébène, mais non. Couronne d'épines. Non. Bon, est-ce que je le tue? Ah merde! Ah, la précipitation niveau 110, c'est pas un tour sur deux. Ah, d'accord. Putain, mais c'est intombable, un sacré à ce level! Non, mais c'est ouf! C'est déjà chaud au niveau 200, mais quand je peux pas précis, quand ça aurait été pas mal de le faire. Ah ouais, non, mais wow, c'est vraiment à tous les levels en fait. Est-ce que je peux? Non. Il va falloir que je parte par là. Après, ouais, il faudrait plutôt que je fasse mes dégâts à distance parce que j'ai un quart de cœur PA avec ce perso. Punition. Ok, bon, je vais quand même le tuer. Truc de ouf. On a failli s'énerver. Alors que c'est juste un sacri avec 100 fois moins de moyens que moi. Paradise, est-ce que t'es obligé de me ping? Putain! Les seuls dons que je peux recevoir, c'est 50 euros. En dessous, ça me sert pas. Imaginez si je fais pareil que sur Dofus avec les 50 000. Non, merci Paradise pour tes 100 ping, enfin pour tes 100 bits. Je regarde dans un instant, je vais bloquer ici. Je vais faire la puissance. Derrière toi. Ah non, ça c'était Yvan, excuse-moi, avec ses 2 euros. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a moins 30% sur la boutique. Oui. Ah, j'en ai pas parlé, c'est vrai, pardon. Merci Paradise. Aujourd'hui, il y a moins 30% sur le service au green. Ça veut dire que vous pouvez avoir un slot de personnages en plus. Au lieu de 6 000 au green, ça vous coûtera que 4 200. Par exemple. Très bien. 1500 points de vie. Alors là, faut se montrer un petit peu fébrile. J'aurais pu me précis et lui mettre un plus gros tour. Mais faut qu'il se dise, il y a une capacité de dégâts environ à 1200. J'ai pas besoin de me sécure. Putain, il s'est quand même sécure. Jouer le brain. Et là, faire une précis T3. Non, mais il faut faire gaffe parce que du coup, la précis, tu pourras pas la faire un tour sur deux. Donc on va plutôt essayer de la faire T3 si on n'achève pas, je pense.
pour rentabiliser au max. Ouais. On rentabilise la puissance et de cette manière on l'achève peut-être sur un T4. Mais là les cas, je sais pas c'est quoi son élément, j'ai pas trop fait gaffe, excusez-moi. Ok, il est haut. Bon, s'il y avait été terre, je serais mort 100 fois. Niveau 112, pom-pom boy. Pourquoi haut? Est-ce que... Ah, chance d'Eka. Est-ce que t'as beaucoup de trucs de fou à faire en Eka haut? Alors, ouais. Enfin, je veux dire. C'est pas fou, hein. Ce qu'il fait, c'est pas fou. Parce que me mettre en Odoba, sauf s'il me tue, hein, parce que là j'ai peut-être sous-estimé, il avait un recop, j'ai pas fait gaffe. Me mettre en Odoba le tour où je peux pas le taper, et je pense qu'il me tue. Ouais, je pense qu'il me clean. Putain, j'avais pas vu le recop. Il m'a fait combien son recop? Putain, il m'a torché de ouf. Il m'a fait du moins 700. Non mais stop. Est-ce qu'il me tue avec son chaton, 130 points de vie? Moi, mon chaton, il les fait pas. Hein. Voilà, donc le sien, encore moins. Bon, bah, je le tue. Bien joué, lui. L'épée destru fait de bons dégâts. Hein. Le ratio dégâts de l'épée destru, en vrai, c'est pas trop mal. Pour ce level, 30 dégâts environ pour 3 PA. Je gagne de justesse. Parce que il m'a fait quoi de base? Attendez, je vais regarder. Ah, il pouvait pas faire une deuxième Sangale. Je comprends pas pourquoi il a esprit félin. Tu peux deux Sangale, il me semble quand même. À mon avis, il y aurait du deux Sangale, bluff, bluff, tort. Et là, il me tuait. Salut Quenta, salut Julia. Quenta, ça va ton Xelor full retraite tout à l'heure? Enfin, je sais pas, c'était toi. On a vu un Xel qui s'appelait Quentata, putain. Moyenne, moins 12 PA par tour. Comment ça va, Quenta? Truc de ouf. Bon, c'est bien. Zafir, du coup, tu pourras te up un perso ou deux ce week-end. On est contre un Roublard. Roublard, 0%. Je me demande, dans ces cas-là, sur cette map, en fait, est-ce qu'on a besoin de bons? Pas du tout. On va faire ça x2. Et normalement, if I don't say bêtise, il va invoquer une bombe. Donc j'ai pas besoin de mettre une kawotte. Normalement, je vais pouvoir l'enchaîner derrière avec sa kawotte et la tempête de puissance. Il a coin de PM 6. Tout comme moi, il triche. D'accord. Sa bombe, elle fait chier, hein, parce que je peux pas le tempête et après tempête la bombe. Vous voyez? Dommage. Après vérification, le moins 30%, c'est du 25 au 27 inclus. D'accord, donc c'est bel et bien tout le week-end. Merci beaucoup, Adair, pour la confirmation. On a donc un moins 30% sur le service au green tout le week-end. What the fuck, il y a une nouvelle map en vient? Ouais, il y a 4 nouvelles maps. D'accord. Alors, dans ces cas-là, je me demande, si je fais ça... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ça le spot direct. Pouh, je le vois plus. Fiii. Mais pourquoi un upper mage? Putain. Si je rush, je me fais exploser. Ouais, il me manque un de PO. Ah, d'accord. Ça marche. Ok. Je pose ma bombe, ma kawotte, comme si c'était une bombe et que j'étais un roublard.
C'est quoi la coiffe du hop? Berzekoff. Ok. Bon, je vais faire la précis pendant que je peux, parce qu'après il va peut-être me débuff. Ça on l'a bien ruiné hein. quand on ne vole pas mes stats, que j'ai ma puissance et tout. Regardez putain la tempête de puissance, moins 600. Elle a fait du moins 600. C'est beaucoup quand même. Pour 3 PA sur un perso 110. Bon vas-y, fais ton tribut, ouais. Récupère tes petits shields. Peste de foufier fait. D'accord. Ok. Ah d'accord, effectivement, ouais, je voyais pas les choses sous cet angle. Du coup, je peux plus le clean, je pense. Ah, quoique. Bah ouais, ça passe en fait. Ça passe de ouf. Plaisant. On continue le stream en full énervé. Ok, on va bon. Puissance. Est-ce que j'ai besoin de mettre une kawotte? Non, j'ai déjà mon roublard sur mon compte. Mais j'ai quand même la mettre. Enfin, j'ai pas besoin parce qu'il va mettre une épée, mais... On sait jamais. Oh, son petit sac rictus, boudi. J'ai l'impression que c'est un sac... Enfin, c'est une cape déjà de base. J'ai l'impression que c'est un sac pour... un gosse qui va à la maternelle. Retourne-toi, s'il te plaît. Bah alors, on a appris à mettre son manteau tout seul. Oh, boudi. Bon, du coup, je suis obligé de faire un bon. Oh, il est chiant, lui. Bon, regardez la strat. Pour l'instant, on se montre très timide, d'accord? Très timide. Là, il se dit peut-être, bon, je vais peut-être sacrifier mon épée, mais il n'y a pas trop d'urgence, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de dégâts, ce yop. Et ça marche. Ça marche du tonnerre. Là, il se dit, tranquille, j'ai 1100 HP, il vient de me faire un tour à moins 600, il va pas faire chier. Et c'est là qu'il se trompe, le chat. Précis. Tempête. Destru. Et pouh, je le vois plus.